10, les manèges les plus effrayants de la planète. Top 1, l'Action Park, le parc d'attractions le plus dangereux des États-Unis. Ce parc d'attractions situé à Vernon, dans le New Jersey, a heureusement fermé ses portes il y a 20 ans. Pourquoi heureusement? Car il était connu pour posséder les plus dangereux manèges des États-Unis. Depuis son ouverture en 1978, ce parc terrifiant envoyait jusqu'à 10 personnes par jour à l'hôpital. Énorme. Surnommé le parc de l'accident. Logique. Action Park a attiré de nombreux amateurs de sensations fortes dans cette attraction aquatique. Yeah. Des manèges mal conçus, un personnel incompétent, souvent en état d'ébriété selon plusieurs sources, et des règles de sécurité inexistantes ont abouti à des poursuites pour blessures et entraîné la fermeture du parc en 1987. Et j'étais toujours pas née. Top 2. Takabisha. Le roller coaster de la mort. Quand certains réservent un circuit au Japon pour découvrir les ruelles du vieux Kyoto ou la cité impériale de Nara, d'autres viennent souffrir une dose d'adrénaline dans l'un des parcs les plus fous du monde. Le Fujiku Highland Amusement Park. Situé au pied du mont Fuji, il est connu pour son attraction incroyable, le Takabisha Roller Coaster. Une montagne russe culminant à 43 mètres en possédant un angle de 121 degrés, soit la chute la plus raide au monde. Pas besoin de vous faire un dessin, rien ne vaut une vidéo pour vous en rendre compte. Comment c'est hallucinant. Qui fait peur. Top 3. Stratosphere Tower. La plus belle vue de Las Vegas. Ville de tous les excès, Las Vegas devait de posséder une attraction digne de sa réputation. C'est donc au sommet d'un hôtel emblématique, le Stratosphere Las Vegas Hotel et Casino, que les plus téméraires pourront s'offrir le plus grand frisson. Avec un des premiers temps, Biggie Shot, un ascenseur en extérieur qui vous propulse au sommet des 49 mètres de la tour en un temps record. Insanity, un manège qui tourne dans le vide à 350 mètres du sol. Top 4, Tower of Terror 2, l'attraction phare de Dream World. Le plus grand parc d'attractions d'Australie va fermer l'un de ses manèges les plus populaires, la tour à grande vitesse Tower of Terror 2. Présente depuis une vingtaine d'années, cette tour dans laquelle les visiteurs ressentent la sensation d'être en apesanteur pendant quelques secondes sera démantelée pour laisser place à de nouvelles attractions. Dream World est tragiquement connu pour ses accidents survenus dans l'attraction Thunder River et qui a coûté la vie à 4 personnes en 2007. Top 5. The Smiley. Les montagnes russes les plus renversantes. À Alton, dans le Staffordshire, au Royaume-Uni. L'ouverture de la nouvelle attraction, The Smiley, ne s'est pas fait sans embûche. Retard, journaliste bloqué lors de son avant-première, puis plusieurs fermetures ponctuées à cause des problèmes techniques, les montagnes russes du parc Alton Tower ne s'annonçaient pas rassurantes. Et la collision entre un train vide et un autre, 16 passagers survenus en 2015, et en causant plusieurs blessés, a eu raison de l'attraction qui restera fermée jusqu'en 2016. Top 6. The Dian Canyon Swing. Le frisson ultime. Imaginez-vous les pieds dans le vide, dans une sorte de balançoire géante au-dessus du canyon du Colorado. C'est l'une des attractions les plus extrêmes que vous pourriez oser faire lors d'un voyage aux États-Unis.
Enfin, si vous avez le courage, bien évidemment. Top 7. The Human Catapult, une expérience dangereuse et folle. Il fallait être un peu zinzin pour oser faire cette attraction du parc aquatique de Middlemore au Royaume-Uni. Pour 40 dollars, soit une soixantaine d'euros, le visiteur s'installait dans une réplique de catapulte du style médiéval et a été projeté à 60 km/h dans un filet 25 mètres plus loin pour être bien rattrapé, pour éviter la mort. Il va en soi que cela a provoqué plusieurs blessés et fractures avant que le propriétaire du parc ait la sage idée de fermer l'attraction. Top 8, Wicked Twister, le summum des montagnes russes. Pour affronter ces montagnes russes, il faut avoir l'estomac bien accroché. Et pas rempli surtout. Cette attraction propulse les visiteurs à 66 mètres de hauteur, la tête dans tous les sens, située dans le parc Cedar Point dans l'Ohio. Ce sont les montagnes russes inversées les plus hautes du monde. Top 9. Le Kindaka, la chute de tous les records. Le Kindaka est un manège inédit du parc Great Adventure dans le New Jersey. Il peut se vanter d'avoir la chute la plus extrême du monde, 139 mètres, soit presque trois fois la hauteur des chutes du Niagara. Vous imaginez quand même? À côté, Space Mountain, c'est de la rigolade. Top 10. Le gyrodrap fake or not fake? À vous de dire. L'attraction la plus dingue jamais inventée est en réalité une blague que l'on peut trouver sur le net. Et on a envie de dire tant mieux, car c'est sûrement le plus effrayant de tous les ménages au monde. Si l'attraction Gyrodrop existe bel et bien en Corée du Sud, la vidéo qui circule sur le net a été réalisée avec trucage. On y voit des scies disposées en cercle s'élever le long d'un mât télescopique qui s'étire dans le ciel, puis les passagers sont brusquement lâchés et tournoyés dans le vide. Aïcha. Un canular réalisé par le parc lui-même, le Lotte World, assez haut, pour célébrer ses 30 ans. Je vous invite à aller voir si cette attraction numéro 10, la dernière, est vraiment vraie ou pas, et de me dire dans les commentaires. Comme ça vous fait participer. Voilà, tout simplement. Et sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce top 10. Et sur ce, je vous laisse liker, commenter, et je vous dis à la prochaine!